Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le professeur général Alligator. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment traduire quelques phrases, quelques expressions idiomatiques qui nous embêtent souvent en français. Nous allons apprendre à les traduire en anglais. Et beaucoup dans les commentaires ont demandé certaines de ces expressions-là. Donc, restez connectés. Alors, la toute première expression que nous avons ici, c'est pris la main dans le sac. Beaucoup ont demandé comment traduire il a été pris la main dans le sac. Est-ce qu'on doit dire the hand in a bag? Qu'est-ce qu'on doit dire exactement? Alors, l'anglais, lorsque l'anglais traduit une phrase qui est en français, l'anglais traduit d'abord l'idée, l'anglais ne traduit pas le mot. C'est lorsque tu n'as pas encore d'expérience que tu traduis le mot. Parce que dès que tu vois main, tu vas directement, tu traduis en anglais. Tu vois le sac, tu traduis aussi en anglais. Non. Mais avec ton expérience, tu traduis l'idée et non le mot. Alors, pris la main dans le sac, c'est traduit en anglais par red like coat. Red. Handed. Caught red-handed. Pourquoi red-handed? Imagine lorsque vous vous retrouvez dans une maison où il y a eu où quelqu'un a perdu la vie. Et lorsque la police arrive, on vous trouve devant celui qui a perdu la vie avec du sang en main. C'est ce qu'on appelle le red-handed. Attraper quelqu'un la main dans le sac. On t'a trouvé avec du sang en main. Red-handed. Donc, c'est un peu ça la traduction. On traduit l'idée, on ne traduit pas le mot. Donc, red coat, red-handed. Red-handed. Les mains pleines de sang. Red-handed. Alors, nous avons la deuxième expression qui est tomber des nues. Je suis tombé des nues, je t'assure. Je suis tombé des nues. Alors, tomber des nues en anglais, c'est to be flabbergasted. To be flabbergasted. Oh, I'm telling you. I was flabbergasted by his behavior. Can you imagine? I was totally flabbergasted. Je suis tombé des nues. I was flabbergasted. Alors, ici, la troisième expression, c'est marcher sur la pointe des pieds. Marcher sur la pointe des pieds. Pointe des pieds. Alors, lorsqu'on dit que tu marches sur la pointe des pieds, c'est que ce sont tes orteils avec la pointe des pieds et tes orteils qui jouent le rôle. La pointe des pieds et tes orteils. Donc, en anglais, on utilise plus le mot orteil pour traduire l'expression marcher sur la pointe des pieds. Donc, ils utilisent to tiptoe. To tiptoe. On peut prendre une phrase. I saw him tiptoeing. I saw him tiptoeing. Je l'ai vu en train de marcher sur la pointe des pieds, furtivement. Alors, la dernière expression que nous avons ici, c'est garder un œil sûr. Peux-tu garder un œil sur mon fils? En anglais, on traduit cela par keep tabs on. Can you keep tabs on my child? Keep tabs on. Garder un œil sûr. Keep tabs on. Can you keep tabs on my child? Can you keep
tabs on my child. Can I keep tabs on my child, please? Peux-tu garder un œil sur mon fils ou sur mon enfant? Donc, les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce cours-là. Au moins, vous savez déjà comment traduire ces expressions. Pris la main dans le sac, caught red-handed, tombé de nu, to be flabbergasted, I am flabbergasted, je suis tombé de nu, je suis étonné, surpris, marcher sur la pointe des pieds, to tiptoe, I saw him tiptoeing, garder un œil sur, keep tabs on, can you keep tabs on my child? Ça sont des exemples. Merci.